Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Vendredi à l'espace Paul Jargot de Crolles, ne manquez pas Passe-Montagne, un voyage poétique et musical inspiré par les sanatoriums du plateau des Petites Roches. Passe-Montagne, c'est donc un voyage dans les images, les sons et les voix de ces mots laissés sur les murs de ces ruines, bientôt démolies. Débarquer en France comme ça, il peut... À la faïencerie de la Tronche, ne manquait pas la pétillante humoriste burkinabé Rukyata Ouedra Ogo. Elle met en scène avec autodérision son parcours riche en péripéties entre son école primaire en Afrique et les scènes de théâtre parisiennes. Manu Katché est au Déclic à Clay vendredi. C'est un musicien hors pair, plutôt électro-soul ces derniers temps. Il explore le quartet, piano, basse, guitare et batterie bien sûr. C'est qui ce type ? Et puis ne ratez pas Le mari de ma femme à la Comédie de Grenoble jusqu'au 7 octobre. Explication. Alors, Le mari de ma femme, c'est encore une pièce de situation, voilà. Enfin, c'est un mélange entre le boulevard et le vaudeville. C'est une pièce en référence. Moi, je suis très labiche, très fédo, voilà. Il faut que ça aille vite, qu'il y ait du rythme. Et c'est un peu dans ce style-là, sauf que c'est contemporain, bien sûr. Donc, Le mari de ma femme, en fait, c'est Victor. Voilà, c'est ça. Il va fêter ses 10 ans de mariage. Et à cette occasion, sa femme lui apprend une nouvelle terrible, en fait, c'est qu'elle a déjà été mariée. Et ça, il l'ignorait totalement. Et ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est qu'elle n'a jamais divorcé, en fait. Elle était mariée au fin fond de la Sicile. Elle avait 18 ans, voilà, c'était sur un coup de tête. Et ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il apprend aussi que ce type est un mafra. Voilà. Qu'il était en prison depuis 11 ans. Et que... il ne devait pas sortir, mais là, il va sortir de prison. Moi, je joue dedans, voilà. Moi, je suis Antonio, le type qui sort de tôle, en fait. Et voilà, pour des raisons... et je rentre chez moi pour des raisons fallacieuses. Et je compte bien récupérer ma femme et ma maison, voilà. Et j'ignore totalement l'existence de Victor. Ouais. Avec la peur et le stress, on a vraiment des axes comiques intéressants, en fait. Où le type, la victime, se retrouve conduit à faire n'importe quoi sous le stress, quoi. Et voilà, c'est vraiment jouissif. Et voilà, c'est une pièce qui existe depuis 3 ans, qui a vraiment un vrai succès. Et on continue de la tourner. Voilà, on a encore beaucoup, beaucoup de dates cette année. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.